Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission de la rédaction de Nice Matin. Notre invitée aujourd'hui, Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale. Bonjour Nicole Belloubet. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous interrogerons avec Christian Huot, rédacteur en chef, et Lionel Paoli, reporter politique du groupe Nice Matin. Nicole Belloubet, vous étiez ce matin en visite à l'école Massé à Nice, où vous avez évoqué entre autres la question de la sécurisation des écoles. Est-ce que tout est vraiment mis en œuvre pour que la sécurité de chacun y soit assurée? C'est notre volonté. Je pense, comme tous les Français, que les enfants ont besoin de se sentir en sécurité dans un établissement scolaire pour bien apprendre, et que leurs enseignants, et plus largement l'ensemble de la communauté éducative, a besoin de cette sécurité pour bien accomplir sa mission. Et donc la sécurité, pour moi, c'est une exigence forte, c'est la condition d'un enseignement réussi. Donc effectivement, nous prenons et nous avons pris déjà, puisque je m'inscris quand même dans le travail de mes prédécesseurs, mais nous prenons toutes les dispositions pour éviter que des drames tels que ceux qui ont pu se produire dans certains établissements scolaires se reproduisent. Peut-être aurais-je l'occasion de développer dans un instant ce que sont ces mesures. On a tous en tête ces drames. Mardi, un ancien élève a réussi à s'introduire au lycée Claret à Toulon grâce à son ancien carnet de correspondance. Une intrusion heureusement sans conséquence, même si les élèves ont été confinés. Comment ce type d'incident est-il encore possible 6 mois après l'assassinat de Dominique Bernard ? Je crois que dans la sécurisation extérieure des bâtiments, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Il y a d'abord la nécessité d'avoir des boutons d'alarme. Alors dans certains établissements, je pense à des collèges que j'ai pu visiter, ces boutons sont plaqués sur les murs, les enseignants, les personnels savent où ils se trouvent. Dans d'autres établissements, comme ce que nous avons vu ce matin, ils sont autour du cou des directeurs ou directrices d'école. Donc il y a ce premier élément de la sécurisation physique, mais elle peut également se réaliser, cette mise en sécurité, par des systèmes de caméras que j'ai pu voir, qui sont sur la voie publique, cela existe dans divers lieux, et également par la présence d'adultes qui, aux abords des établissements, permettent d'en sécuriser l'entrée, aux abords ou bien à l'entrée des établissements. J'ai visité tel collège où il y avait évidemment une gardienne qui, à la loge de l'entrée, opérait la vérification de celles et ceux qui entraient. Donc, sécurisation physique à l'entrée des bâtiments. Je n'exclus pas qu'il puisse y avoir des failles, ici ou là, mais c'est la raison pour laquelle nous avons demandé, en réunissant autour de nous les préfets, les recteurs et les procureurs généraux, nous avons demandé, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin et moi-même, aux préfets, aux recteurs, aux procureurs généraux, de travailler établissement par établissement pour envisager les mesures de sécurité nécessaires. Le cas, il y a eu une réunion hier dans le Var à ce sujet. Absolument, puisque chacun des préfets va décliner cela. Il y a d'autres technologies. À la suite de l'intrusion de mardi, la vice-présidente de la région, Véronique Boré, a demandé qu'on puisse lever le tabou autour de l'utilisation de la reconnaissance faciale au lycée. Que lui répondez-vous ? Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Ce que j'observe, c'est que dans certains établissements, que là encore j'ai pu visiter dans la région Aquitaine, la région a mis en place des caméras à l'intérieur de l'établissement qui permet non pas de la reconnaissance faciale, mais qui permet de voir exactement ce qui se passe dans chacun des couloirs, dans chacun des angles morts. Et la région me disait à quel point cela avait réduit, d'une part, les risques de confrontation entre les élèves et d'autre part les risques de dégradation du bâtiment. Donc je pense qu'il y a des niveaux de réflexion qui méritent d'être poursuivis, mais je n'ai pas d'hostilité, moi, à ce que l'on puisse regarder par un système de caméra ce qui se passe dans les couloirs des établissements. Les établissements scolaires ont été visés ces dernières semaines par des menaces d'attentats. Les espaces numériques de travail, les messageries internes des établissements ont été suspendus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment préparé à ce type de menaces ? Alors, cela veut dire plusieurs choses. Les messages qui sont des messages cybermalveillants qui portaient des menaces d'attentats terroristes. Il y en a eu énormément dans les Alpes-Maritimes. Oui, il y en a eu. Écoutez, il y en a eu dans une vingtaine d'académies, donc il y en a eu beaucoup. On a recensé à peu près 400 établissements, un peu plus, donc oui, il y a eu ces menaces. Et elles sont entrées
par les comptes des élèves. Ce sont des comptes des élèves qui accèdent à ces espaces numériques de travail, qui, je le rappelle, pour celles et ceux qui nous écoutent, sont des plateformes qui font le lien entre l'école, enfin le lycée, le collège, et les élèves et leurs professeurs. Donc les personnes qui ont eu ces comportements intrusifs sont entrées par les comptes. Donc nous avons décidé, pour calmer cela, pour arrêter cela, de suspendre les messageries, pas la plateforme, mais les messageries. Et puis, nous nous sommes donné les vacances de Pâques, enfin les vacances de printemps, pour, d'une part, réinitialiser les mots de passe, tous les mots de passe, pour d'autre part, faire passer des consignes de sécurité, parce que nos jeunes, parfois, laissent traîner leur code d'accès, leur compte, et nous allons, à plus long terme, complètement reprendre l'authentification de ces différents comptes, peut-être par d'une double authentification, c'est ce que nous sommes en train d'étudier, avec les régions qui, et les départements, qui ont évidemment parfaitement joué le jeu avec nous. J'avais eu un contact avec Carole Delga, la présidente de l'ARF, avec François Sauvadet, le président de l'ADF, et nous étions d'accord sur le fait qu'il fallait arrêter à un moment donné pour couper ce type de démarche et reprendre les choses plus sereinement. Vous avez annoncé la création d'une force mobile scolaire qui interviendra dans les établissements scolaires qui se retrouveraient avec des difficultés. Cette force mobile, quand sera-t-elle opérationnelle ? Peut-être puis-je vous rappeler, monsieur, qu'il existe déjà au niveau des académies des équipes mobiles de sécurité. Là, c'est une force nationale. Là, c'est une force nationale que je surajoute aux équipes mobiles. Parce que, voyez-vous, quand il se passe les incidents tels que ceux que vous avez décrits, c'est-à-dire des messages de nature terroriste qui parviennent dans les établissements, cela crée, un, de l'émotion, deux, de la peur, et puis nous devons assurer la mise en sécurité des établissements. Donc nous avons le concours des forces de police qui viennent faire ce qu'on appelle une levée de doute, c'est-à-dire voir si oui ou non les bombes qui sont annoncées dans les messages n'existent pas, donc ils viennent dans les établissements. Mais après, ces établissements ont besoin d'être accompagnés pendant quelques temps par des personnes qui sont des personnes du monde éducatif, hein, ce ne sont pas des policiers, mais qui vont venir assurer la sécurité dans l'établissement. Donc lorsque les équipes mobiles académiques sont trop sollicitées, il nous a semblé important d'avoir une force mobile nationale, une force mobile scolaire qu'on pourra projeter sur l'ensemble du territoire du pays pour aider des établissements qui seraient en difficulté. Là encore, ce sont des conseillers d'éducation, ce peuvent être des psychologues, ce peuvent être des assistants d'éducation qui viendront apporter leur concours à un établissement qui serait en difficulté. Ils resteront 15 jours, 3 semaines pour redonner le démarrage à cette école. Et cette force, elle sera prête quand ? 1er septembre. Bien. Nicole Belloubet, mercredi après-midi, après les drames de Montpellier et de Viry-Châtillon, le sénateur LR de l'Essonne, Jean-Raymond Huguenet, a interpellé le gouvernement. On l'écoute. Au-delà des éternelles déclarations médiatiques, au-delà d'une fermeté de façade qui ne trompe plus personne, au-delà du gigantesque déni idéologique qui paralyse l'action publique, au-delà des sempiternelles déclarations solennelles du président de la République jurant « La main de l'État ne tremblera pas, l'école doit rester un sanctuaire alors qu'elle est devenue un coupe-gorge. Qu'allez-vous enfin entreprendre en profondeur, Monsieur le Premier ministre, avec l'aide de votre gouvernement, pour lutter contre ce qui n'a plus rien à voir avec la fatalité ?» Alors l'école un coupe-gorge, les mots sont violents, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ah, j'étais furieuse, monsieur, qu'il ait utilisé ce terme. Je ne suis absolument pas dans le déni du réel, parce que il est vrai que l'école, au fond, c'est le réceptacle de tout ce qui se passe à l'extérieur de la société, mais en même temps, l'école doit être et est une antidote à cette violence qui est partout dans notre société. Donc, dire que l'école est un coupe-gorge, c'est pour moi faire insulte aux enseignants. Je ne dis même pas faire insulte à la ministre, parce que ça, c'est secondaire. Mais c'est faire insulte aux enseignants, à la communauté éducative, au personnel des collectivités qui sont dans l'établissement. Honnêtement, ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Et moi, je dis à monsieur le sénateur que nous sommes vraiment en permanence dans la recherche d'actes et dans l'accomplissement d'actions. Lorsque je vous parle de ces équipes mobiles de sécurité, lorsque je vous parle des équipes Valeurs de la République qui sont constamment présentes auprès des enseignants pour redire quelle est la laïcité, lorsque je vous parle de formation, lorsque je vous parle de présence des forces de police, lorsque je vous parle de déploiement d'un bouclier juridique pour aider nos enseignants, c'est-à-dire protection
fonctionnels, l'État qui porte plainte à leur côté. Bref, ce ne sont pas des paroles, ce sont des actes. Et je veux bien que monsieur le sénateur vienne avec moi dans un établissement scolaire, il verra que nous déployons ces actes. Alors, le Premier ministre a donné une interview à la presse quotidienne régionale samedi dernier à laquelle nous assistions. Il a annoncé des mesures fortes pour endiguer la violence chez les jeunes. Et parmi les mesures, on parle également, pour répondre au comportement d'enfants de plus en plus jeunes, la création de conseils de discipline à l'école primaire. Est-ce que c'est vraiment adapté, ce type de conseil de discipline, pour des enfants de moins de 10 ans, Madame la Ministre ? Je pense qu'il y a une double réponse, monsieur, sur ce sujet-là. Moi, je pense, comme sûrement beaucoup de nos concitoyens, que tout fait, même à l'école primaire, mérite une réponse. C'est indiscutable. Je dirais, pour paraphraser le Premier ministre, tu casses, tu répares. Et donc ça, je suis absolument certaine de cela. Tout fait mérite une réponse. Après, le niveau de la réponse varie évidemment en fonction des faits. Soit c'est une petite incivilité, soit c'est plus grave. Bref, il y a des niveaux de réponse qui peuvent varier. Et évidemment, dans ces niveaux de réponse, il y a des sanctions éducatives, bien entendu, que l'on peut prendre. Mais elles existent. Il y a déjà une gamme de sanctions. Je me permets également de rappeler que depuis le mois d'août dernier, un décret a été pris par Gabriel Attal d'ailleurs, permettant que un enfant qui porte atteinte à la santé ou à la sécurité de ses camarades fasse l'objet d'une exclusion de l'école où il était inscrit et soit rescolarisé ailleurs avec un accompagnement spécifique. Donc c'est une sanction forte que celle de l'exclusion. Elle vient répondre à des faits de harcèlement que l'on pourrait éventuellement constater. Mais il est difficile d'aller plus loin sur un enfant de moins de 10 ans qu'une procédure d'exclusion. Et ce que je voudrais ajouter, ce sera le dernier point, ce que je voudrais ajouter, c'est que dans les procédures que l'on peut mettre en place, c'est très important, je crois, d'associer les parents. Même s'il s'agisse d'une maman célibataire ou d'un père seul, peu importe, c'est très important d'associer les parents. Parce qu'il faut que, face au fait qui a été commis, l'école et les parents répondent d'une même voix. Donc moi, je pense très important que dans la procédure que l'on peut mettre en place, les parents devront être associés. Voilà. Alors, parmi vos préoccupations affichées, il y a évidemment les atteintes à la laïcité, qui n'épargnent pas les écoles, bien sûr. Premier point sur le port de l'abaya, est-ce que les incidents sont en baisse depuis la circulaire Attal ? Très fortement. Et heureusement, et c'est la preuve que lorsque nous conduisons une politique ferme, eh bien la réponse vient immédiatement, les conséquences sont immédiatement perceptibles. Au moment où nous parlons, la question de l'abaya n'est vraiment plus une question qui est importante à l'école. Et donc les atteintes à la laïcité ? Alors les atteintes à la laïcité sont nombreuses. Et elles sont plus insidieuses peut-être que les atteintes qui visuellement sont fortes, comme le port d'un signe manifestant une appartenance ostensible à une religion. Ça sont des phénomènes que nous pouvons immédiatement percevoir et sur lesquels nous pouvons immédiatement réagir. Ce qu'a fait formidablement le proviseur du lycée Ravel à Paris, en demandant tout de suite, il s'agissait d'un voile, en demandant tout de suite à l'élève d'ôter son voile. Mais quand je vous parlais d'atteintes plus insidieuses à la laïcité, je veux parler là d'atteintes qui se produisent durant les enseignements, où un élève va venir contester le fait que la Terre est ronde ou aura sa propre opinion sur la création du monde, sur les origines du monde, et qui peuvent évidemment prendre à contre-pied nos enseignants. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous devons faire porter notre effort sur ce point en accompagnant, s'ils le veulent, nos enseignants par des cellules d'appui pédagogique. Je voudrais aussi dire une dernière chose qui m'a beaucoup frappée. J'étais hier dans la Vienne, je ne viens pas hélas tous les jours à Nice, j'étais hier dans la Vienne et des directrices d'école me disaient que les parents, parfois pour des toutes petites classes, contestaient par exemple le fait qu'on fasse mettre les garçons et les petites filles en rang et qu'ils se tiennent la main. Parce que
Il contestait le fait qu'un petit garçon puisse tenir la main d'une petite fille. Nous ne devons pas céder. Nous ne devons pas céder. L'égalité, la mixité, la laïcité, c'est ce qui fonde l'école de notre République. Et je mesure à quel point les difficultés sont fortes pour nos enseignants, mais moi, je serai toujours à leur côté, au-delà des mots, en étant, s'il le faut, physiquement présente moi-même dans une école qui subirait des difficultés de ce type. Alors, nous sommes à Nice, vous êtes à Nice aujourd'hui, et sur vos recommandations, il y a quelques semaines, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté de fermeture administrative contre le collège musulman Avicenne, qui accueille depuis 2015, donc à Nice, une centaine d'élèves. Il reproche à cet établissement privé hors contrat un financement opaque, contraire à la loi anti-séparatisme. La direction du collège conteste et affirme avoir fourni toutes les pièces justificatives et les pièces comptables pour sa défense. Le contentieux va faire l'objet, lundi d'ailleurs, prochain, d'une audience au tribunal administratif. Madame la ministre, est-ce que vous maintenez vos accusations? Est-ce qu'elles justifient vraiment que l'établissement ferme ses portes à la fin de cette année scolaire, comme cela a été dit? Alors, ce ne sont pas des accusations, ce sont des constats. Il y a des règles dans notre pays, des règles qui diffèrent pour l'enseignement privé selon qu'il est sous contrat ou hors contrat. Il y a des règles qui s'appliquent, il y a une loi qui s'applique. Et nous devons être en capacité de connaître les sources de financement des établissements privés hors contrat. Nous avons donc demandé à l'établissement scolaire quelles étaient ses sources de financement. Après plusieurs mises en demeure, des réponses très partielles ont été apporter, voire des absences de réponse. Et c'est la raison pour laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a pris cette décision, en plein accord évidemment avec la rectrice de l'académie, avec moi-même. C'est un point factuel, et tant que nous n'aurons pas des réponses sur ce sujet-là, eh bien la décision restera la même. Vous avez raison de dire qu'un contentieux a été engagé. La justice aura évidemment le dernier mot. Alors, le directeur de l'établissement, dit-il, vous envoyez une invitation pour que vous puissiez le rencontrer, en discuter. Est-ce que vous avez reçu cette invitation? Est-ce que vous comptez y répondre? Alors, d'une part, je n'ai pas reçu cette invitation, mais je ne veux pas dire ici qu'il ne l'a pas envoyée, parce que je reçois énormément de courriers, et donc il y a peut-être eu des filtres, mais au moment où je vous parle, je n'ai pas reçu cette invitation. Et vous êtes prêt à le rencontrer? Je suis prête à le rencontrer lorsqu'il aura répondu aux mises en demeure que nous lui avons adressées. Et de toute façon, je ne rencontre pas les parties avec lesquelles nous avons un contentieux, ce qui est le cas là. Nous attendrons que la justice s'est tranchée. On passe peut-être au prof, Genel. À l'enseigne. Si vous voulez, bien sûr. Alors, en mars 2005, on repart un peu dans le passé, vous étiez à l'époque rectrice de l'Académie de Toulouse et vous avez démissionné de votre poste. Et vous avez envoyé à l'époque un courrier au cadre de l'Académie et vous écriviez ceci. « La raison de ma démission réside dans la difficulté de plus en plus certaine à assurer une continuité dans le discours pédagogique que j'ai porté et dans la capacité à affirmer une cohérence entre des ambitions affichées et des actes posés concrètement. Aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il y a une meilleure cohérence entre les mots et les actes. Alors, si je repars moi aussi en arrière, la raison de ma démission, elle était vraiment de nature pédagogique. C'est-à-dire que j'avais énormément travaillé avec les cadres de l'académie, les chefs d'établissement, sur ce que l'on appelait à l'époque les travaux personnels encadrés. C'est-à-dire des travaux que les élèves devaient conduire en coopération avec d'autres élèves au lycée, et on commençait au collège. Et nous avions eu un tel investissement, et il me semble qu'à l'époque, il y avait eu une rupture dans le discours par rapport à cet investissement, que je n'avais pas cru pouvoir continuer la mission que j'exerçais alors, parce que j'avais vraiment engagé des équipes complètes sur ce processus et qui prenait fin. Il me semble qu'aujourd'hui, on a une cohérence dans le discours que nous portons pour l'école. Cette cohérence, de mon point de vue, elle est double, triple peut-être. Première cohérence, c'est ce que l'on appelle le choc des savoirs, c'est-à-dire l'idée d'élever tous nos élèves vers un meilleur niveau scolaire. Il me semble que nous commençons à avancer en ce sens. C'est ensuite l'idée, me semble-t-il également très importante, de permettre à nos élèves de mieux se situer dans leur avenir, c'est-à-dire d'avoir des choix d'orientation, d'avoir vraiment de construire leur futur. Et puis c'est aussi ce que nous avons vu aujourd'hui, le bien-être à l'école, avec peut-être une réflexion sur l'organisation du temps scolaire qui devra être conduite. À la rentrée dernière, il manquait encore plusieurs milliers d'enseignants dans les écoles et dans les collèges et lycées. Pour résorber ce déficit, l'éducation nationale a fait appel à des contractuels, même à des candidats qui n'avaient pas eu le concours.
Nicole Belloubi, comment est-ce qu'on peut faire pour régler définitivement cette problématique du nombre d'enseignants insuffisant visiblement en France ? Alors c'est une problématique que je connais et qui est une de mes préoccupations, parce que je sais les difficultés que connaissent les académies pour remplacer des enseignants qui sont parfois absents sur des congés longs, même si, vous savez, nous remplaçons près de 95% de nos enseignants qui sont en congé long. Mais nous avons aussi des difficultés dans les remplacements courts. Bref, tout cela pour vous dire que je ne nie pas les difficultés qui existent quant au remplacement. Ce qui crée ces difficultés, c'est la moindre attractivité de notre métier, de nos métiers d'enseignants. Et c'est la raison pour laquelle, et je crois vraiment que c'est là solution. Nous avons décidé, et le président de la République et le Premier ministre ont vraiment porté ce dossier, nous avons décidé de revoir l'entrée dans la carrière d'enseignant. Et donc là où il y avait jusqu'à présent un concours à Bac plus 5 qui était possible, nous avons décidé de faire un concours à Bac plus 3, c'est-à-dire au niveau de la licence, après une formation qui soit clairement identifiée vers le professorat, notamment le professorat des écoles. Ça ne veut pas dire qu'on refusera tous les jeunes qui ont fait une licence d'anglais, de maths, etc. Pas du tout. Mais on aura des filières clairement identifiées. Un concours à Bac plus 3 qui permettra immédiatement à ces jeunes qui auront le concours d'entrer dans la carrière professorale, d'abord en étant stagiaire, puis ensuite en étant fonctionnaire stagiaire, en étant rémunéré et en préparant un master dans le même temps. Oui, parce qu'il y a aussi une problématique de revalorisation salariale que réclament les syndicats. Alors, la revalorisation salariale, je n'en nie pas l'importance, mais il faut dire que les débuts de carrière de nos enseignants ont été revalorisés de manière importante. Là où nous étions en queue de peloton dans la moyenne, dans les pays de l'OCDE, nous sommes aujourd'hui au-dessus de la moyenne. Un enseignant est passé de 1700 euros en 2017 à aujourd'hui plus de 2100 euros net lorsqu'il commence sa carrière. Il y a eu une importante revalorisation des débuts de carrière. Nous avons également une revalorisation des fins de carrière. Nous devons travailler sur les milieux de carrière qui, c'est vrai, méritent toute notre attention. L'État a été condamné mercredi par le Conseil d'État pour le non-remplacement de professeurs absents. La sanction est modeste. Par le tribunal administratif. Par le tribunal administratif, excusez-moi. Il reste encore un espoir. La sanction est de 150 euros pour 8 familles des Yvelines. Elle n'est pas énorme, mais est-ce que ce n'est pas un camouflet pour l'éducation nationale ? Alors, si vous voulez... Tout dysfonctionnement de notre école n'est pas un camouflet, mais c'est une blessure. Je n'ai pas à commenter la décision du tribunal administratif qui, au demeurant, n'est pas une décision nouvelle. Ce n'est pas la première fois que l'État est condamné pour ce type de difficultés. Mais cela montre exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que oui, nous avons des difficultés à remplacer certains de nos enseignants absents. Pas dans toutes les disciplines, pas partout, mais dans certaines académies comme à Créteil, par exemple, nous avons des difficultés fortes. Donc pour nous, la solution, c'est les concours, parce que je suis persuadée que ça apparaîtra vraiment cette refonte de la formation comme une voie d'excellence et que cela drainera plus de jeunes vers nos concours et que nous pourrons pourvoir tous nos concours, pourvoir toutes les places, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. L'autre, pardonnez-moi, je suis un tout petit peu longue, mais l'autre manière d'y répondre, c'est effectivement le recrutement de personnels contractuels, mais qui sont sélectionnés. Ils n'arrivent pas comme ça par hasard. Ce sont des personnels qui passent devant une commission, qui ensuite ont une formation. Certains d'entre eux vont être rémunérés dès le mois de juin en français et en maths au collège pour être sûrs qu'ils soit là en sixième. Bref, nous déployons toute notre énergie pour faire qu'à la rentrée, il y ait un professeur devant les élèves. Alors, Madame Belloubet, des questions qui sont parfois certes complexes, mais auxquelles on va vous demander des réponses assez brèves. Ah. Les résultats des évaluations en cours préparatoire sont tombés hier. Les résultats en français et en maths sont stables, mais les élèves issus de milieux défavorisés sont toujours à la peine comme ils l'étaient auparavant. Est-ce que ça veut dire que les mesures qui ont été prises pour le dédoublement des classes dans les REP+ ont été inefficaces ? Non, pas du tout, parce que vous faites allusion aux évaluations de CP et de mi-CP, évaluations qui, au demeurant, vous le dites, ne sont pas mauvaises, puisqu'elles montrent que, notamment à mi-CP, que les élèves entrent bien dans les apprentissages de français comme de maths. Et pourquoi je répondais non à votre observation, lorsque vous me demandiez si les mesures qui ont été prises depuis 2017 avaient un impact ? Parce que ce n'est pas les évaluations de CP qu'il faut regarder pour voir si les mesures prises depuis 2017 ont eu un effet. Ce sont les évaluations de 6e, puisque aujourd'hui, nous arrivons, les élèves qui sont en sixième
passent les évaluations de sixième et ont pu bénéficier de ces dédoublements. Et nous observons qu'en français et en maths, il y a un écart positif de 6 points en français ou de 7 points et de 4 points en maths, ce qui montre que ces dédoublements conduits par mes prédécesseurs ont eu un effet positif. Moi, je pense que nous devons continuer ce travail, mais il faut évidemment que nous veillions à ce qu'un CP dédoublé fasse aussi l'objet d'une pédagogie différenciée selon le niveau et les besoins des élèves. Alors, dans l'actualité, il y a également ces fameux groupes de niveau que vous appelez les groupes de besoin. Mmh. Ces groupes-là, pas une seule voix parmi les enseignants ne s'est élevée pour les défendre. Est-ce que vous pensez qu'on peut porter un projet comme ça et le défendre contre l'avis général ? Je ne partage pas non plus votre avis. C'est-à-dire que je pense que lorsque... Qui le soutient ? Quel groupe d'enseignants le soutient ? Quel syndicat ? C'est pas des groupes, si vous voulez, je ne vais pas vous dire des groupes. Je vais, moi, dans des établissements. Pas un seul syndicat ne le soutient ? Non, ce n'est pas exact. Lorsque vous regardez l'UNSA ou d'autres syndicats, ils admettent, lorsqu'on présente la manière dont ces groupes seront mis en place, ils admettent que cela peut apporter des points positifs. Et je trouve que c'est important. Je n'ai pas dit qu'ils nous donnaient un blanc-seing. C'est pas ce que je dis. Je ne veux pas dresser ici les uns contre les autres. Mais laissez-moi 30 secondes pour vous dire que ces groupes de besoins vont nous permettre en 6e et en 5e de prendre des élèves en groupe, en français et en maths, pour répondre à des besoins spécifiques qui seront évalués à plusieurs reprises en 6e et en 5e lorsqu'il y aura des retours en classe entière et que ça nous permettra vraiment de répondre à leurs besoins. C'est de la pédagogie différenciée. J'ai un but, améliorer les résultats des élèves. Une méthode de la pédagogie différenciée et ce sont ces groupes de besoins qui vont nous permettre d'y répondre en maths et en français. Oui. Je crois que c'est une des réponses possibles. Je refuse le tri social des élèves. Je le dis si clairement, vous pouvez avoir un élève qui est très bon en numération, en maths, et qui n'est pas bon en géométrie. Eh bien, en numération, il sera dans le groupe qui pourra aller de l'avant. En géométrie, s'il est en difficulté, on va le prendre en petit groupe pour lui donner les compétences qui lui permettront de progresser. Mais tout cela suppose des effectifs que vous n'avez pas ? Mais si, monsieur, j'ai 2330 postes que nous allons déployer, qui ont été déployés. Il faut que je trouve les enseignants. Il y aura évidemment des professeurs titulaires, mais également les autres personnels que nous recrutons qui viendront devant les élèves. Christian. Autre sujet polémique, l'uniforme à l'école que l'on appelle la tenue unique dans les établissements scolaires qui doit commencer à la rentrée 2024. À Nice, il y a 4 écoles primaires, 3 collèges et 1 lycée professionnel qui vont y participer. Est-ce que vous pensez, Nicole Belloubet, réellement que ce genre d'initiative peut aider à calmer un peu les choses et va trouver une utilité, notamment par rapport à la différenciation et la violence à l'école ? C'est une expérimentation, monsieur, que nous menons. Donc je tiens à le redire ici clairement, c'est une expérimentation. C'est-à-dire qu'à la rentrée prochaine, il n'y aura pas tous les élèves de toute la France qui porteront une tenue unique. C'est une expérimentation que nous voulons conduire dans une centaine d'établissements. Nous allons nous faire accompagner par une équipe d'évaluateurs indépendants, universitaires, qui va mesurer si oui ou non cette tenue unique apporte la sérénité, le calme, davantage de respect, tel que nous l'imaginons. Et c'est en fonction de ce que nous dirons ces évaluateurs que nous verrons si nous déployons sur l'ensemble des établissements cette expérimentation à la rentrée qui suivra. Oui. Alors, du CP au CM2, 4 millions d'élèves reçoivent ces jours-ci, à Nice c'était ce matin, un livret pédagogique sur les Jeux Olympiques qui contient, chacun contient une pièce de 2 euros qui est frappée à l'effigie des Jeux. Coût d'opération quasiment 16 millions d'euros. Est-ce que vous ne pensez pas que cet argent aurait pu être utilisé autrement et de façon plus efficace ? L'intérêt de ce livret pédagogique, c'est de laisser une trace à nos jeunes sur ce que représentent les valeurs de l'olympisme. C'est-à-dire qu'au-delà des mots, ils puissent garder ce livret et vous y trouvez dedans les valeurs de respect, de règles, de respect de la règle de l'olympisme. Bref, c'est pas une opération et de fraternité. Et je termine juste en vous disant que ce n'est pas une opération de communication, c'est une opération, je le redis, qui est porteuse de valeurs. Quant à la pièce de 2 euros, c'est une pièce qui est commune puisqu'elle sera ensuite distribuée partout, la monnaie nationale n'a pas tiré que pour les élèves cette pièce. Et je vous rappellerai simplement qu'un de nos anciens présidents de la République, le président Mitterrand, avait procédé de la même manière en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française en distribuant aux écoliers une pièce de 1 franc. Le temps passe. Votre visite dans les Alpes-Maritimes est sur le thème de la pratique sportive à l'école. Vous avez d'ailleurs rencontré ce matin Didier Deschamps. Est-ce que l'objectif de 30 minutes par jour de sport à l'école sera tenu ?
Il sera tenu, et d'ailleurs il l'est déjà, parce que d'après une enquête que nous avons conduite, enquête auquel 60% de nos écoles ont répondu, il y a à peu près 91% des écoles qui d'ores et déjà pratiquent cette activité physique et sportive. D'autant que c'est une pratique qui ne nécessite pas beaucoup d'outils. Il y a un kit, vous le dites, qui est déployé, mais on l'a vu, ça peut être pratiqué par des professeurs, aussi bien pendant la récréation que dans la classe. Moi j'ai vu hier un prof de maths qui faisait du calcul mental en faisant ces 30 minutes. Alors elle expliquait 19 plus 3, alors les enfants c'est ça, 19 plus 3 ça fait 22, et très bien. Et donc c'était ludique et efficace. En plus je crois que les professeurs voient les bienfaits que procure cette activité. Parlons un petit peu des écrans. Dimanche dernier sur France Info, vous avez émis l'idée d'une pause numérique. Il s'agirait, dites-vous, d'imposer aux élèves de déposer leur portable à l'entrée du collège. Mais alors, une petite question, l'usage du portable est déjà interdit dans les écoles et dans les collèges. Pourquoi est-ce qu'il ne suffirait pas de faire tout simplement respecter la règle existante ? Oui, mais c'est un peu cette idée, et peut-être un peu au-delà. Il y a une loi, évidemment, qui précise que l'usage des portables est interdit. Dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que dans les cours de récréation, parfois dans les couloirs ou ailleurs, on voit que certains de nos élèves ont leur portable à portée de main. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que pendant le temps de l'école, on peut faire une pause numérique, on peut s'abstraire de son portable. Donc, il faut aller plus loin que la règle existante. Donc, il faut sans doute aller plus loin. Peut-être on pourrait imaginer, avec le concours des collectivités locales, que les élèves puissent déposer leur portable à l'entrée de l'école, pour ceux qui la porteraient. Et puis, on pourrait imaginer également, pendant ce temps-là, le temps pédagogique, de réinciter à la lecture, de réinciter à lire, ou tout simplement de réinciter à se parler, à dialoguer, à comprendre l'autre. Gabriel Attal a expliqué emmener avec lui la cause de l'école lorsqu'il est arrivé à Matignon. Emmanuel Macron en a fait d'une certaine manière son domaine réservé. Est-ce que vous arrivez à trouver naturellement votre place à leur côté ? Mais si je n'ai pas de place, pourquoi m'avez-vous invité ? C'est bien parce que j'ai une place. Je ne me sens absolument pas prise en étau, si c'est l'idée que vous voulez développer. Moi, j'ai beaucoup de fierté à travailler sous l'autorité du président de la République. Et quand le président de la République parle de la formation des enseignants, je trouve que pour l'école, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je trouve que c'est formidable que Gabriel Attal ait pris la cause de l'école à Matignon. Parce que lorsqu'il s'intéresse à la manière dont nous pouvons déployer telle mesure, mais c'est un atout pour moi. Donc non, je ne me sens pas prise en étau. Et oui, je me sens pleinement à ma place. Alors avant de terminer, on passe à la question perso. Lionel Paoli. Oui, Madame Belloubet, dans un portrait de Libération vous a consacré en mars 2013, on apprend que vous rêviez de devenir chanteuse d'opéra et qu'il vous arrivait, écrivent-ils, de chanter du balavoine à tue-tête pour vous donner du courage. Est-ce que vous n'avez aucun regret pour cette carrière que vous n'avez pas faite ? Comme elle n'a jamais été entamée, je n'ai pas de regret. Puis de toute façon, d'une manière générale, je n'ai pas de regret en rien. Mais j'aime chanter. Aujourd'hui, c'est difficile parce que, comme vous entendez, je suis un peu enrouée. Mais j'aime chanter parce que je trouve que c'est un travail physique, le chant. Quand on force un peu sa voix, c'est un travail physique qui prend le ventre, la gorge. Je trouve que c'est une manière de dire quelque chose aussi avec son corps, avec sa voix. Ça traduit des émotions. Et je suis passionnée par l'opéra, oui, c'est vrai. Et par balavoine aussi. Être ministre, c'est un travail physique aussi. C'est un travail physique, monsieur. Vous voyez, la preuve, j'en ai des séquelles. Où il faut savoir à la fois vivre et survivre, en effet. très jolie conclusion, effectivement. Oui, c'est physique parce qu'il faut de l'énergie, il faut de la volonté, il faut de la force physique. Mais il n'y a pas que moi qui suis engagée. Lorsque je vois les collègues qui m'entourent à mon cabinet, ou le principal que j'ai vu là à l'instant à Saint-Laurent-du-Var, et ses équipes qui sont extraordinairement engagées, il faut de la force physique pour tout et de l'énergie pour tout. Merci beaucoup Nicole Belloubet. Merci à vous. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'Interview à la Une. Bonne journée, bonne soirée et bon week-end à tous.